Ésaïe 53. À partir du verset 1er, qui a cru? Qui a cru à notre prédication et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Merci. Il n'y avait en lui ni beauté ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui le fasse désirer. Il était le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est la maladie. Et nous avons comme caché notre visage derrière de lui. Et nous l'avons peu estimé. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Homme de douleur, sachant ce que c'est la maladie. Dans la version de 8 secondes, il est écrit habitué à la. C'est faux. C'est pas ça. Le mot souffrance a été dit, le mot hébreu traduit par souffrance a été diminué. Ils ont utilisé ici un euphémisme. Parce que Ségon se dit maladie, non, ça sonne faux, alors je veux le remplacer par souffrance. Alors que le mot hébreu signifie littéralement maladie. Sachant, et puis le verbe que Ségon, hébreu, le mot hébreu qu'il a traduit par habitué, n'a rien à voir avec ce mot-là. Ce verbe-là, hébreu, signifie littéralement savoir, le verbe savoir, sachant ce que c'est la maladie. C'est-à-dire littéralement, Yeshua, parce qu'il est question de Yeshua ici, de Jésus. Jésus savait, quand il était sur terre, il savait, et il le sait toujours, il savait ce que c'est la maladie. Pourquoi? Quand il était sur terre, bien sûr, il a porté un corps comme toi et moi. Dieu s'est fait chair. Et dans son corps physique, Yeshua a ressenti toutes les douleurs de toutes les maladies, les symptômes de toutes les maladies. Il connaît tellement ces symptômes, les symptômes du sida, du cancer, de l'hépatite, toutes les maladies que les hommes connaissent. Il est dit que, Galate nous dit que le Seigneur était devenu une malédiction pour nous, parce qu'il est dit que maudit soit et maudit et quiconque est pendu au bois. Or, Deutéronome 28 nous dit que les maladies sont les conséquences de la malédiction. Vrai ou faux? Voilà. Donc, Yeshua, notre Seigneur, sait ce que c'est la maladie. Et on nous dit qu'il a porté nos maladies. Frères et sœurs, Jésus est le seul Seigneur, le seul Dieu qui connaît tellement nos problèmes, parce qu'il les a lui-même expérimentés, qu'il est capable de nous guérir entièrement. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ce que je vous prêche, je le vis. J'ai mis ma foi en Yeshua, et ça fait 22 ans et demi que je ne suis pas allé voir un médecin. Aucun médecin. Aucun dentiste, aucun ophtalmologue, aucun généraliste. Je dis au Seigneur, jusqu'à mon départ au ciel, ce corps qui est au temple du Saint-Esprit ne sera pas ausculté par un homme. Amen. Alléluia. S'il tombe en panne, je l'amène chez son créateur, n'est-ce pas? Et c'est lui qui est les prises de rechange. Alléluia. Alléluia. Ah oui, on peut acclamer le Seigneur, frère. Magnifique. Ça, c'est ma foi. Chacun a sa relation avec le Seigneur. Je ne dis pas que le frère a dit que vous pouvez aller voir les médecins. Là, c'est... Chacun a sa foi. Bah oui, moi, je connais ma relation avec le Seigneur. Ah oui. En fonction de mon appel, je dis Seigneur, moi, je crois. Je crois. Voilà. La dernière fois, j'avais mal au ventre. Mal. Je dis Seigneur, c'est pas possible. D'abord, mal au dos. Oh Seigneur, oh mon dos, oh mon dos. Je dors comme ça. Un an, je viens me voir avec un chiffon, une éponge. Avec cette éponge complètement imbibée d'eau.
Et il a commencé avec du savon à nettoyer mon dos, à nettoyer, à nettoyer. Oh, j'étais très content dans cette vision. Et quand je me suis réveillé, oula, ça marchait, mes amis, de nouveau. Et ça fonctionne. Il a demandé mal au ventre, j'avais mal au ventre, c'était pas possible. Je dis, Seigneur, j'espère que je parle de courir, hein, courir quelque chose ici, là. Et j'ai prié, on a dit chaud et tout ça, là, et je dors, et le Seigneur vient me voir. J'ai vu Christ en personne. Il était beau. Et je le regardais comme ça, le Seigneur, mais il s'apprêtait à partir. Et dans mon cœur, je disais, mais prie pour moi, je suis malade, guéris-moi. Et il est venu là, avec son doigt comme ça. Il a fait juste ça. Il a remonté comme ça, jusqu'à, oh là là, monsieur, tout est parti. Je me suis réveillé, le truc comme ça, plus rien. Je dis, Seigneur, moi, je ne porte pas de lunettes. Les lunettes, non, pour faire quoi? Jusqu'à mon départ. Parce que quand je lis Paul, Pierre, Jacques et Jean, on nous dit que c'était des hommes de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que moi. Frère, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Oui. Je dis, Seigneur, si tu estimes que mon œuvre est finie, attends d'abord que je vois mes enfants grandir un peu là. Après, on peut négocier le départ. C'est notre papa, non? Il y a une relation entre père et fils, mais c'est comme ça. Il sait ce que c'est la maladie. Donc quand toi tu souffres, c'est que j'ai une palpitation cardiaque, il sait. Tu ne vas rien lui apprendre. Il sait. Oh Seigneur, oh, tu sais, le taux de sucre et tout ça, il sait. C'est le seul Dieu capable de guérir. Le seul. Les guérisons que nous expérimentons avec le Seigneur nous choquent, nous surprennent, nous étonnent. On a témoigné cette femme qui était capable de 19 ans, guérie, fini. Les cancers, hein, tous les cancers sont des cancéreux dans ce moment-là. Il y a eu des guérisons en cascade. Les médecins sont choqués. Ils disent aux malades même. La dernière personne que j'ai guéri, cette soeur dont la fille était une soeur de la Martinique, hein, donc sa fille avait un problème de rein, tout ça, à 3 mois, on lui a enlevé le rein gauche, et l'autre rein était affecté, et elle avait des sondes pour uriner, c'était très très dur. Donc la sœur a dû quitter la Martinique pour aller vivre en métropole, pour pouvoir aider sa fille, pour qu'elle suive un traitement. Donc je voyais cette jeune fille de 16 ans, une jolie fille comme ça, malade de rein, condamnée. Je dis, Seigneur, tu peux la guérir. On a prié pour elle au nom de Yeshua, on lui a fait une onction d'huile, frère. Mais quelques jours après, la dame revient avec un paquet de sondes. Elle est allée voir le médecin de sa fille. Le médecin a dit, il n'y a plus besoin de sondes. C'est que la fille est guérie. Et la dernière fois, elles sont reparties voir le médecin pour la dernière fois. Le médecin a ausculté, avant de venir ici, il a ausculté la fille, il a regardé sous toutes ses coutures. Le médecin a crié, la vache! Il leur dit, est-ce que vous êtes parti à Lourdes? La dame a dit, non, on n'est pas parti à Lourdes, on est parti au ciel. Alléluia! Guéri instantanément, le médecin dit, c'est fini, c'est réglé, tout est fini. Et il a regardé, et là où on a enlevé l'autre rein, il y a comme quelque chose qui commence à pousser. Or, le Seigneur m'avait dit que le deuxième rein allait pousser, repousser. On a connu notre soeur qui est là, les miracles à Évry, là, mes amis, même dimanche, il y a 2 dimanches, vous avez vu, non, ce monsieur aveugle. On en a parlé, hein. J'étais à Bruxelles, il y a 2 dimanches, on m'amène, il y a 3 dimanches, on m'amène un aveugle comme ça, on le voit sur la vidéo. Alors j'ai dit, Seigneur, là, le monde entier nous suit, hein. Là, c'est compliqué, là. Pour nous, c'est compliqué, c'est sûr. Frère, vous avez dit, prie pour lui, impose les mains, juste au niveau des yeux. Et je me suis dit, j'impose les mains et je me barre, je me retire, je me sauve. Parce que c'est un cas compliqué pour les hommes, bien sûr, mais tout est possible avec Jésus. Alléluia. J'impose mes mains, je me sauve, frère. Tout le monde a vu, je me suis retiré. Et quelqu'un m'a dit, mais il voit. Je dis, quoi? Il voit. Alléluia. La parole est vivante, frère et soeur. Alléluia. Le monsieur est rentré chez lui tout seul. Il danse, il sort.
Sauf qu'il il a au moins 70 ans et il disait à ses enfants, je n'irai pas voir les médecins. Je sais, même si je, comme si je suis devenu aveugle, c'est pas grave, mais Dieu me guérira. Et il a dit, amenez-moi là-bas. Tout est possible. Une sœur qui était venue avec nous dimanche dernier ici, elle est de la Guadeloupe, elle est venue assister au programme en Martinique. Elle souffrait de son estomac. Elle avait des douleurs comme pas possible. Ça persistait tout ça. Et elle est venue, le Seigneur a donné une parole de connaissance au dimanche. Donc dimanche dernier, par rapport à une personne qui souffrait, qui avait ce problème. Et elle est instantanément guérie. Elle mange de tout. Dieu, frères et sœurs, non, Dieu ne l'a pas changé. Jésus est le nom qui sauve, qui guérit. Il y a toutes sortes de maladies. Hein. Il y a des maladies d'abord spirituelles. Des gens qui dorment la nuit, ils sont violés par des dorlistes, par des maris, femmes de nuit. Il y a des maladies psychiatriques. Des gens qui font la dépression, qui prennent des antidépresseurs pour dormir. Qui ont du mal à dormir parce qu'ils ont tellement de dettes, tellement de soucis. Des maladies sentimentales, des gens qui sont blessé sentimentalement, une femme qui tombe amoureuse d'un homme, qui lui fait confiance, qui lui ouvre son cœur, et voilà que cette dame ne va pas être déçue, blessée, brisée. Elle devient malade. Elle se méfie des hommes. Elle devient malade. Il y en a qui deviennent lesbiennes à cause de ça. Il y en a qui deviennent homosexuelles à cause de ça. Déception. D'autres qui sont violées étant enfants. Eh bien, toute leur vie est brisée. Brisée. Elles ont une mauvaise image, homme ou femme. Mauvaise image de l'homme, mauvaise image du père. Une dame qui a été brisée dans sa famille, qui a été rejetée par ses parents, un frère, un homme qui a été rejeté, qui a été, n'est-ce pas, rejeté par rapport à ses frères et sœurs. Voilà, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de gens souffrent, beaucoup n'en peuvent plus. Nous rencontrons des cas difficiles. On voit des gens comme ça parfois sourire, mais quand on commence à parler avec eux, quand ils commencent à vous ouvrir leur cœur, frère, il y a beaucoup de souffrance. C'est pour ça que beaucoup vont les psychologues, beaucoup vont les psychiatres, parce que les gens sont dans la souffrance. Quelqu'un qui perd son mari, sa femme, ses enfants, son fils, sa fille, il y a beaucoup de souffrance. Tu as perdu ta mère, tu ne sais plus comment te consoler, tout ça, les gens souffrent. Et c'est pour ça que des faux pasteurs, des charlatans en profitent. Des marabouts. Il y a des gens qui souffrent tout simplement parce qu'ils sont seuls. Ils sont là avec des foules de gens, mais en fait ils sont seuls. La solitude. Il y a des filles qui n'ont pas reçu l'amour de leur père, qui ont une mauvaise image de l'homme. Combien de femmes ne sont-elles pas blessées, brisées, parce qu'elles ont donné leur virginité à un homme, croyant que cet homme allait, n'est-ce pas, l'épouser, croyant que cet homme allait les épouser, et elles se retrouvent complètement, n'est-ce pas, blessées, rejetées. On a prié pour une dame, pour une jeune femme, pardon, elle a quoi, 36 ans, cette sœur, en Guadeloupe. Elle dit qu'elle est tombée enceinte et quand son copain a su qu'elle était enceinte, il a abandonné. Il lui a dit, je ne veux ni te voir, ni voir ton enfant. Et elle était blessée, brisée, cassée. Pourtant, c'est une belle femme. Et elle a fait plusieurs avortements. 4 avortements. Elle n'en pouvait plus. Dans la solitude, elle se trouvait. Et elle avait des démons terribles, une légion. Allez voir sa délivrance. Dieu l'a restaurée. Les gens sont malades. Il y a des pasteurs même qui sont malades. Tellement qu'ils ont la pression, ils finissent dépressifs, ils boivent de l'alcool pour se soulager. Je vous dis, il y a beaucoup de pasteurs en France, français, n'est-ce pas, de souches qui vont voir les psychologues. Ça, vous devez le savoir. À cause de la pression liée à l'appel au ministère, les soucis, vous savez que les soucis provoquent des maladies aussi. Hein. Problème d'estomac, tout ça, cancer, les soucis. Quelle est ta relation avec ton père? Quelle est ta relation avec ta mère? Quelle est ta relation avec ton mari, avec ta femme? Quelle est ta relation avec tes enfants, avec ta fille, avec ton fils? Vous verrez qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a des mésententes, des conflits entre filles et mères. Beaucoup de souffrance.
Vous allez voir des jeunes gens dans les cités mal habillés, fumant de toutes sortes de drogues. Mais il ne faut pas les condamner. Ce qu'ils font, c'est mal, c'est sûr. Mais cherchez, creusez, parlez un peu avec eux. Vous allez voir que ce sont les conséquences, sont les résultats, n'est-ce pas? Des causes. C'est des gens qui ont vécu des choses. Un homme est venu me voir il n'y a pas longtemps. Il me dit, frère, ma vie est cachée, est brisée, parce que j'ai été violé quand j'étais enfant par un homme. Il pleurait. Dans nos églises, les gens sont tellement blessés. Tellement blessés. Les maladies les plus graves, c'est les maladies du cœur. Maladies spirituelles. Les blessures. Comment un homme qui aime une femme, comment un couple qui se sont aimés à la folie puisse, mes amis, arriver à se déchirer, et les enfants qui se retrouvent au milieu, qui sont brisés, qui sont obligés de choisir entre l'homme et la femme, entre le père et la mère. Voilà les réalités dans lesquelles nous sommes. Et il faut un traitement. Toute maladie nécessite un traitement. Ouais. Il y a même des gens qui sont malades sans qu'ils le sachent, sans le savoir, mais ils sont malades. Le caractère que tu as, est-ce que tu sais pourquoi tu as ce caractère-là? Vérifie bien. Pourquoi tu réagis aussi violemment? Pourquoi as-tu un caractère irascible? Pourquoi as-tu un caractère acariâtre? Pourquoi tu as ce caractère dur au point de faire fuir même les hommes qui aimeraient bien t'épouser? Vous épousez? Pourquoi? Je vois des frères que je connais même ici qui sont brisés. Ils se sont aimés. Les deux achètent une maison. Les deux, ils étaient tout le temps ensemble. Les deux chrétiens. Et quelques temps après, tu reviens, tu trouves le frère, tu vois la sœur partie. La maison qu'ils ont achetée ensemble. La femme garde la maison ou l'homme garde la maison. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes, il y a des maladies. Beaucoup se disent, alors Seigneur, je préfère mourir. D'autres disent, Seigneur, j'en peux plus, je veux quitter mon pays, je veux aller aux États-Unis, je veux aller loin où personne ne me connaît. Et les gens souffrent. Une femme est venue me voir en Guadeloupe. Elle m'a dit, frère, je suis allé en métropole chercher de l'aide auprès d'un prophète. Quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit de me déshabiller. Il m'a lavé toute nue. Et là, il m'a violé digitalement. Vous comprenez? Voilà. Il a violé. Brisé. Alors, Freud propose la psychanalyse. C'est un allemand. Mais ça ne soigne personne. C'est un cercle vicieux. On risque de voir son psy à vie. Et si on n'est pas soigné par le psy, c'est la psychiatrie. Et la psychiatrie ne soigne pratiquement personne parce que là, c'est des piqûres. Voilà, tu deviens un légume. On t'enferme, c'est fini. Je parle avec des hommes, il y en a qui me disent, comme un frère que j'aime beaucoup, qui est pour moi un frère de sang biologique, qui me disait, j'ai peur de me marier, de m'engager. Il n'a pas tort, parce que les gens sont malades, l'homme est devenu méchant. Il me dit, je vois des femmes qui viennent mariées, qui trompent leur mari, là où je travaille. Je vois des jeunes femmes qui viennent, qui sont tellement dans la dépravation. Il n'y a plus de moralité. Ces femmes sont complètement immorales, amorales. Qui disent aux gens, aux hommes qui travaillent avec moi, je veux aller avec toi. Qui se viennent et qui se proposent. Oh, une génération compte beaucoup de malades. Les gens pensent être en bonne santé, mais ils sont malades. Parce qu'une fille, n'est-ce pas, de 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui va déjà connaître le sexe à fond la caisse, 14 ans, mais c'est des malades. Des parents qui laissent leurs enfants de 14 ans avoir des rapports sexuels, qui trouvent ça normal. Les gens sont malades. On n'est pas étonné s'il y a autant de problèmes, de conséquences. Les enfants ne demandent pas à venir au monde. Comment une fille de 16 ans qui va avoir un enfant, et l'enfant là, comment la fille, elle n'est même pas encore mature pour pouvoir être mère. Et ces enfants, ils deviennent quoi? Ils sont destinés à être aussi des malades. Voilà. L'heure est grave, hein, mes amis.
On voyage ici et là, on rencontre des cas. Non. Une femme est venue me voir à Paris, il n'y a pas longtemps, elle me dit, frère, prie pour moi parce que mes deux enfants que voici, mes deux propres fils que voici, 12 et 14 ans, couchent ensemble. Je suis rentré du travail, j'ai trouvé l'un sur l'autre. Je les ai séparés. Engueulés. Je reviens un autre jour, rebelote. Les gens sont malades. Oh, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Tu penses que tu es en bonne santé? Une femme est venue me voir. Oh Seigneur, sauve-nous. Frère, prie pour moi. Je trompe mon mari. T'inquiète pas, je ne dirai pas les noms. C'est juste des exemples que j'utilise pour vous montrer à quel point les gens sont malades. Une autre femme en Guadeloupe est venue m'a dit, j'ai trompé mon mari pendant 5 ans. Je ne pouvais pas penser qu'un jour j'allais faire cela. 5 ans. Elle dit, j'avais pas le choix. C'est plus fort que moi. Vous trouvez normal que des belles femmes que l'on voit ici en Guadeloupe, à Martinique, aux Antilles, des belles femmes que vous avez, qui soient célibataires. Il y a des maladies réalisées. Parfois je me dis, Seigneur, des hommes beaux, ces femmes qui sont belles et qui sont célibataires et qui sont seules, qui sont dans la solitude, qui souffrent, qui font du surplace. Et où sont les hommes qui peuvent les rendre heureuses? Où sont les hommes qui peuvent les couvrir d'amour? Les gens sont malades. Je vous dis, des femmes belles qui se retrouvent à 45 ans seules, à 50 ans seules, qui se rendent compte qu'elles vont vieillir seules, mourir seules, elles sont malades. Où sont les hommes? Jeunes filles, vous qui êtes belles, votre tour va arriver si vous ne réalisez pas que vous avez besoin d'être guéri. Je vous dis, regardez, prenez l'exemple sur vos parents, vos tantes. Parce que quand on est encore toute jeune, toute belle, comme une fleur, on ne réalise pas à quel point les gens sont malades. Une femme est venue me voir, une belle femme en Guadeloupe, une sœur française que j'apprécie beaucoup, qui est pour moi vraiment une grande sœur. Elle me dit, voilà, je prie que Dieu me donne un homme. Elle a peut-être 47 ans. Elle a tout, elle a un travail, elle a un toit, mais il n'y a pas d'homme qui vienne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, laissez-moi vous dire, les gens sont malades. Il y en a qui sont blessés, ils ont peur de s'engager. D'autres veulent juste des histoires vite fait, une relation juste sexuelle, mais pas une relation sérieuse, sentimentale, qui aboutirait, n'est-ce pas, à un mariage sérieux, avec un foyer solide, stable. Pour garantir aux enfants un foyer où ils vont grandir dans une bonne atmosphère, éduqués, élevés correctement, pour les préparer à être des hommes et des femmes, des parents. Regardez nos enfants d'aujourd'hui, partout, en France, partout, ici et là, qui se retrouvent seuls, et ils sont élevés, ils sont préparés à être comme ça aussi. Les gens sont malades. Alléluia! Le remède, eh bien, il faut d'abord parler des maladies. On va finir bientôt, vous inquiétez pas. Il faut d'abord que les gens réalisent qu'ils sont malades. Parce que vous ne pouvez pas soigner quelqu'un qui pense qu'il n'est pas malade. Qui réalise que beaucoup sont malades? Qui réalise que beaucoup de gens sont malades? Ça, le Seigneur, oui. Ça, le Seigneur, avec nous, nous-mêmes. Même il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui sont quand même malades. Hein? Parce que si on est chrétien et marié et avec des problèmes, des conflits, là il y a un problème. C'est le diable. C'est la chair parfois. Le diable souvent se plaint. Le diable se plaint souvent parce qu'on l'accuse à tort parfois. Parfois c'est nous-mêmes qui avons des problèmes. Hein? Nous-mêmes qui utilisent le diable. Bien sûr, mais l'homme a une grande part de responsabilité. Voilà. Quand on sera jugé, on dira, bon Seigneur, c'est le diable, hein, comme Adam.
le serpent que tu as mis à... Ève qui dit, le serpent m'a séduite. Dieu dira, mais attends, je te donne l'autorité, non? Voilà. J'aime la famille. Dieu est le père de toutes les familles chrétiennes. Dieu aime la famille. Qui veut que ça change? Amen. Alors, c'est quoi le remède? Eh bien, le remède, mes amis, c'est la croix. C'est la croix. Pourquoi la croix? La croix te tue. Parce que pour être guéri, il faut mourir. Je prends un exemple. Si je donne une gifle à mon frère, s'il est mort, est-ce qu'il va réagir? Non. Faites l'expérience. Crachez sur un mort. Un cadavre. Il est mort. Donnez-lui un coup de pied. Ah! Je ne suis pas sûr qu'ils vous disent, attendez, je vais me réveiller juste 3 secondes, retrousser mes manches, vous rendre l'appareil, et ensuite repartir dans le... Non, pas du tout. Il est mort. Paul dit, considérez-vous comme mort au péché. Je parle d'abord au niveau de la famille. Pour qu'un couple marche, l'homme et la femme doivent mourir. Parce que souvent, ce sont nos caractères qui créent des conflits. Alléluia. La femme a du caractère, l'homme a beaucoup de caractère, et du coup, un couple en Martinique, en Guadeloupe, ils sont chrétiens tous les deux. Ils aiment le Seigneur. Ils ont reçu le message de retour de la parole. Mais ils ont des problèmes comme pas possible au point où l'homme est parti tromper sa femme. Et là, hier soir, je suis en train de parler avec les deux. Je ne savais même plus quoi leur dire. Je leur ai dit, de toute façon, tout ce que je vous dirai, vous le connaissez. Mais votre problème, c'est vos deux caractères. Vous n'êtes pas mort. Moi, l'autre, moi. Tu es comme ça avec le moi, ben vous. Voilà. C'est grave. C'est terrible. La parole dit quoi? L'amour supporte tout. La croix te permet d'aimer l'autre plus que toi-même. Si on devait à chaque fois nous séparer quand il y a des conflits dans le foyer, il y aurait beaucoup. Personne ne serait marié. L'amour, il faut supporter. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. Qui a du mal à pardonner? Alléluia. Oula. Il y en a beaucoup ici. Qui a du mal à pardonner? Mais par contre, le Seigneur va nous guérir. Gloire à Dieu. Il y en a qui font comme ça avec nos voisins. Merci pour votre humilité. Le pardon. Quand on pardonne, on est guéri. Alléluia. Parce que si on ne pardonne pas, on va ressasser la chose. Voilà. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais oui, ça fait 14 ans. Bah oui, mais il m'a fait ci, il m'a fait. Mais oui, mais attendez quand même. T'es toujours dans, il m'a fait, elle m'a fait, elle. Il faut pardonner. Je disais à un couple en Guadeloupe, la soeur, elle aime le Seigneur, elle est mariée, le frère, son mari aussi aime le Seigneur, mais j'ai remarqué que la soeur était beaucoup plus avec un autre frère. Elle dit, non, mais comme mon mari, il n'est pas trop dans la prière, vraiment, et ce frère, là, il est vraiment spirituel, bien comme il faut. Alors, elle dit, non, là, vous êtes déjà un couple, là. Vous êtes un couple spirituel. Le monsieur a pris la femme de la place de part de ton mari. Alors, il faut changer ça. Alors, les problèmes, la guérison. Et là, ce matin, le frère, le mari de cette femme, disait à un frère, don de Dieu, c'est ça, hein? Oh, ce matin, mon épouse et moi, on s'est assis, on a médité ensemble, on a parlé, tout ça. Tout va. Et il a retrouvé le sourire, mon frère. On était à l'aéroport, il disait, mais je veux poser ton câlin, mon frère. Tellement qu'il est heureux. Il est guéri. Alléluia. Amen. Qui a besoin de la guérison au niveau de son cœur?
Gloire à Dieu. On va prier tout à l'heure. Parce que si vous n'êtes pas guéri, pour aimer, ça va être difficile. Je vous dis. Vous savez, la femme a été créée comme une fleur. Hein. La tsunamite dans la Bible se présente comme la fleur de rose, comme une rose. Et toute fleur a besoin d'être arrosée. Mes frères, voilà le message pour guérir vos femmes. Arrosez vos femmes avec de belles paroles. Alléluia. Gloire à Dieu. Amenez, invitez vos femmes au restaurant. Alléluia. Mes soeurs, on peut acclamer le Seigneur, magnifique le Seigneur. Gloire à Dieu. Restaurant, là, c'est pas le marteau, hein. Un bon restaurant. Voilà. Très souvent, on est seulement dans le parler en langue. On oublie qu'on a quelqu'un à côté. Un homme, l'homme est le chef de la femme, dit la parole. Le chef doit entretenir sa femme. Mon frère, ferme ton compte, ouvre un compte joint avec ta femme. Un homme digne de ce nom ne peut pas, n'est-ce pas, cacher à sa femme combien il gagne. Il dit, femme, ma chérie, je gagne 2000 euros, c'est toi qui gères tout l'argent. Tiens. Voilà. On est un. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son argent. Il s'attachera à sa maison. Il s'attachera à sa voiture. Il restera tout le temps, tout le temps. Non. Il s'attachera à ça. Il s'attachera à sa mère. Ah. À son père. Ouh là là, ne me l'appelez pas. Vous voulez le remettre, non? Eh bien voilà, la guérison arrive. Déjà, quand on parle de la guérison, les gens pensent que tout de suite il faut l'onction d'huile. Non. La parole. Alléluia. Mon frère, ta femme est blessée. Va faire les courses. Prends le caddie. Va prendre, tu aimes le poisson, prends le poisson. Tu reviens avec les courses, tu prépares une bonne sauce. Alléluia! Tu prends le feu à pain là, tu le coupes bien comme il faut. Tu fais bruit, tu prépares, tu mets la table. Chérie, viens manger. Beaucoup de frères sont très malades. Dieu m'a dit, arrête un peu avec le Dieu m'a dit. Sois pragmatique. Hein? Il faut pratiquer l'amour. Il ne faut pas seulement aimer avec la langue. On a enseigné ces choses à Paris. Beaucoup de frères là-bas maintenant vont, n'est-ce pas, prennent soin de leurs femmes, prennent soin de leurs enfants. Un homme qui veut guérir sa femme, si la femme est enceinte, si elle accouche, eh bien, tu changes la couche de l'enfant, tu peux aussi donner le biberon à l'enfant, tu t'occupes de l'enfant. C'est important. La femme dont le mari est blessé, ne sois pas comme une Jézabel. Ne crie pas. Non, une femme qui crie devient comme une carie. Maîtrise ta colère. Tais ta copine. Attends, ta voisine, ma soeur, tais ta voisine. Sois douce. Sois douce. Alléluia. Tiens ta voisine la douceur. Ne fais plus peur à ton mari. Alléluia. Et je vous dis, il y a des frères ici qui sont blessés à cause de ça. Il y en a, ils ont peur de leur femme. J'ai vu mes amis. J'ai vu en Guadeloupe une soeur faire ça là-bas. Donner les hommes, le mari, je suis comme ça, comme un mouton. Chérie, amène la chaise. Ok, chérie, je vais prendre. J'observe la scène de vous. Ici, c'est grave. Quand mon épouse part au travail, parfois je vais faire des courses, je reviens, je passe le balai, je fais à manger, je fais la vaisselle, je pars à la maison, tout. Voilà. Les enfants viennent, tu vas les chercher à l'école. La famille, la guérison, il faut que la famille soit guérie, c'est important.
Si vos enfants trouvent l'harmonie dans le foyer, ils n'iront pas se confier aux gens de l'extérieur. Voyez, je vous dis, on vous donne des clés. Les enfants, on en a trois, on dialogue, on discute, on rigole ensemble, on joue ensemble. Parfois je leur dis, venez, on va faire un footing. Et un jour, l'aîné, qui a 16 ans aujourd'hui, il avait 12 ans un jour, il m'a dit, papa, tu es un bon père. Ah, ça m'a fait du bien. Hein? On dialogue. L'argent de poche tient. Bon, vous avez quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi ce week-end? Et le dimanche, je ne sors pas, on reste à la maison. On joue ensemble. C'est important, la famille. Beaucoup de gens ont des maladies parce qu'au niveau du foyer, il y a des tensions, il y a des problèmes, il n'y a pas la paix, il n'y a pas le repos. C'est pour cela que Dieu commence par guérir la famille. Dieu commence par restaurer la famille. Satan n'aime pas la famille. Satan détruit les familles. Oh, Dieu pleure à cause de cela. Je dis à mes enfants qui sont trois, je leur dis, la femme, les femmes que vous allez épouser, il faudrait d'abord me les amener. Je veux les regarder avec une loupe. Comme Dieu les a bénis, ils sont, c'est pas, voilà, Dieu les a bénis. Voilà, donc je dis, ouais, il faut les regarder, je vais... C'est important parce que je ne veux pas les voir souffrir, hein, parce qu'ils reçoivent une éducation. Je leur dis comment vous devez être avec vos femmes. Vous ne leverez jamais vos mains sur vos femmes. Votre argent sera pour aider vos femmes, pour vos maris, pour vos femmes, pardon, vos enfants. Et vous devez être des hommes intègres. Vous ne devez jamais tromper vos femmes. Jamais. Je dis au Seigneur, moi, tant que tu me donneras la force, jamais je ne tromperai ma femme. Jusqu'à la mort. Jamais je ne te décevrai. Pourtant, ce n'est pas les occasions qui manquent. Hein. Les femmes qui viennent, ah, tu m'as dit, je t'ai dit, c'est trop tard. L'arche, la porte de l'arche est déjà fermée depuis. Hein. Alléluia. Tout est scellé. Au nom de Jésus. Après, non, il s'est enfermé dans une salle de bain avec une femme. Amenez-moi la photo, bien sûr. Ah, arrêtez de mentir. C'est faux. Quand on voit une belle femme passer, je les appelle, on est en langue, frère. Oh, Seigneur, protège un homme de choses. Jamais elle l'a vu, jamais elle l'a vu. Il y en a une avant de venir, elle est venue à mon bureau. Elle s'est assise devant, là, elle ne voulait pas bouger. Elle dit, non, je veux un homme, ici, il n'y a pas d'homme pour toi. Moi, je suis marié. Fini. Elle me harcèle. Maintenant, les frères l'ont viré. Comme elle voulait m'écouter. La dernière fois, elle est venue, elle est rentrée. Non, Seigneur, j'arrive au bureau, je la trouve assise devant la porte. Elle, ça faisait au moins 5 heures qu'elle a poireauté. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Je t'ai déjà dit que je ne veux pas. Jean serré, tout matin, ça ne marche pas avec moi. Je dis, comme tu ne veux pas, là, j'ai ouvert le bureau, je suis rentré, je me suis enfermé. Elle était là, elle frappe à frappe, une dame est venue. J'ai ouvert, quand la dame est rentrée, elle a profité, elle est rentrée, elle a couru dans le studio de vie. Elle est allée se loger dans le studio, frère, avec la dame qui était venue, on l'a attrapée. Cette fille s'est mise sur le dos comme ça, elle a tapé le pied comme ça. On l'a tiré. On l'a traîné comme ça, juste dehors. Les chaussures sont restées dans le bureau, je les ai prises. Je les ai jetées par la fenêtre. Je dis jamais comme Joseph, je suis, je prends mes jambes dans mon cou, je cours. On attend Jésus. Cette voisine, tu ne tomberas jamais. Ah non, frère. Ah non. Je vais finir bientôt, vous inquiétez pas. L'amour, la compassion, la douceur, ce sont des grâces, des vertus qui nous permettent d'être guéris. Voyez, bien sûr, on les trouve dans la parole de Dieu. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, la douceur. On a besoin des hommes doux. Une femme qui trouve un homme doux, c'est une femme qui va être bénie. Malgré la force de l'homme et la douceur comme le Seigneur, les femmes, ça les rassure.
mes frères. Parfois, je vois des hommes, ils ne savent pas comment parler aux femmes. Ils sont dans la brutalité, non, la douceur. Alléluia. Même quand la femme manque, il faut savoir comment lui parler. Tu es chrétien, non? Tu as la parole, tu as la sagesse, l'amour. Tu vas gagner le cœur de ta femme. Va prendre des fleurs, offre-les. Là, je veux rentrer, il y a un petit cadeau pour ma femme, un petit cadeau pour les enfants, tout ça là, ça rassure. Même la famille, les frères qui travaillent avec moi, je leur dis, hein, comment être avec vos femmes. S'il y en a un qui blesse sa femme, je lui dis, tu ne peux plus travailler avec moi, tu es assis. Ah oui, je vous dis, tu ne prêches pas. Tu ne passes pas tes vies de nuit pour les prêcher, tu ne prêches pas. Tu ne pars pas en mission, tu dois régler tes affaires avec ta femme. Il faut que ta femme dise, tout va bien. Les femmes qui servent, c'est pareil. Si l'homme est battu, on ne fait plus l'œuvre. Hein. Il faut qu'il y ait l'harmonie. Les enfants, c'est pareil. Tu prêches l'évangile, tes enfants sont dans n'importe quoi. Ah non. Mon fils Jonathan, qui a 16 ans aujourd'hui, à 13 ans, il avait ouvert un compte Facebook. Quand je l'ai su, je lui ai dit, tu me fermes ça. Il dit, papa, ok. Il est allé la fermer. Comme ça, un petit métis, là, les femmes, elles tournent autour de la ligne. On surveille. C'est important, mes amis. Moi, je veux voir mes frères et sœurs chrétiens aux Antilles, soudés, chrétiens, unis, des familles fortes, qui honorent Dieu. Si quelqu'un ne prend pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle, nous dit 1 Timothée 5, 8. Beaucoup de guérisons ont lieu au sein de foyers. Quelqu'un dont le cœur est tranquillisé, c'est une personne, même des maladies physiques ne vont pas forcément l'appeler comme ça, je vous dis la vérité. Parce que tout commence dans l'esprit. Si ton cœur est blessé, tu vas avoir des soucis, tu vas avoir des tensions, tu as une tension artérielle, parce que tu as des soucis, tu penses trop, tu pleures, tu gémis, c'est fini. Voyez? C'est prouvé médicalement que même la perte de cheveux, parfois, est liée aux soucis. Je vous dis. Parfois la prise de poids, quelqu'un qui a des problèmes va s'encouffrer dans la nourriture, va se réfugier dans la nourriture, manger parce que la personne est stressée. On est fragile. Donc Dieu nous donne la parole, sa parole pour être guéri. Dieu nous donne l'amour pour être guéri. Son sang nous purifie. Et Jésus est capable de tout restaurer. Je suis convaincu de cela. Je suis convaincu que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même si ton médecin dit que c'est fini pour toi, je veux t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Que ce n'est pas encore fini, tout est possible pour toi. Et on va prier au nom de Yeshua, tu rends les examens et je suis convaincu que ce cancer a déjà disparu, mon Dieu. Et on a déjà parlé avec elle plusieurs fois. Et tout ce qu'elle veut, c'est soit moi ou soit un de mes collaborateurs. Non, même pas. Alors, elle est normale. Elle est tout à fait normale. Et on passe souvent par là. Alors, on a souvent affaire à ce genre de. J'ai hébergé une dame, une femme. Elle était de la Guadeloupe. C'était à l'époque où on était encore naïf. On croyait que tout le monde était chrétien. On l'a hébergé, mon épouse et moi, pendant au moins un an.
Et un soir, elle est venue dans le salon, à minuit, hein, je méditais la Bible. Voilà, tout le monde est couché, dormait. Elle pleurait, elle m'a dit, tu vas montrer mon mari. Et toi, as-tu? Alors, c'est qui? Oh, c'est un responsable, c'est bien, toi, oui. Hein, c'est qui? Oh, non, c'est qui? C'est toi. Donc, des cas comme ça, il y en a des gens. Et je t'assure, ma soeur, au niveau où on est arrivé, ça ne va pas nous arriver, on refuse ça. Mais imagine-toi, si tu fais cette erreur, tu détruis des millions de vies. Parce que le message n'est pas seulement touché, le commandement n'est pas seulement, n'a pas atteint seulement des gens ici. Il y a des Australiens, il y a des Américains blancs, il y a des Américains noirs, il y a toutes les nations, c'est impressionnant. On était en Guadeloupe, il y avait près de 700 personnes. Des gens qui ont du monde entier. Donc, on doit être aussi dur envers nous-mêmes. Donc, continue à aimer les frères et sœurs, à aider ceux qui en ont besoin. D'ailleurs, vous le voyez, quand on vient comme ça, on prêche 2 heures, 3 heures. Avant, on reçoit les gens. Après la prédication, on reçoit les gens. Parce qu'on veut aider les gens. Mais par rapport au péché, il faut être intelligent. On ne peut pas, n'est-ce pas, s'amuser avec ça. Parce que c'est des vies qui sont en jeu. Tel que je suis là, l'ennemi sait que s'il arrive à m'abattre, il n'arrivera jamais. Ça, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas. Dieu m'a déjà montré ma fin. C'est dans la Bible, je veux dire. Voilà. Donc, on sera tous enlevés. Mais il m'a déjà confirmé qu'il ne me laissera pas tomber, que je ne tomberai pas. Ça, je refuse. On a des groupes comme, on a des associations comme Télé de Vie, Radio de Vie, comme le pain quotidien qui nourrit des milliers d'orphelins aujourd'hui. En Russie, on a tout pour donner des exemples de l'ampleur du travail, de pourquoi il faut être ferme. En Russie, nous avons 120 enfants russes que Dieu permet que l'on nourrisse. On envoie de l'argent, on envoie des missionnaires là-bas, des Russes. On a 120 enfants en Haïti qui sont scolarisés. On a 50 enfants qui sont scolarisés. Il y en a qui sont à la fac aujourd'hui. On paye leur loyer à la fac, on nourrit des prisonniers en Côte d'Ivoire, au Congo, et plusieurs prisonniers, des enfants au Gabon, orphelins, au Bénin, il y en a 50, au Togo, au moins 600. Au Mali, on a une école avec au moins 200 enfants. Et on va attaquer l'Amérique latine, au Mexique, on va envoyer des missionnaires bientôt. Et on a à Paris, avec à Corporon, à Paris, une épicerie. On a acheté un bâtiment il y a 12 ans et on loge actuellement plus de 20 SDF. Et on nourrit avec cette épicerie 200 familles chaque mois. Et on en a implanté une vingtaine aujourd'hui et ça continue dans toutes les villes de France. On a cette vision-là. Des magasins comme Carrefour, tout ça nous donne la nourriture gratuitement et les gens viennent, blancs, noirs, arabes, tout ça, étranges, ils viennent prendre la nourriture gratuitement. Il y a beaucoup de nourriture. Il y a tout ça à gérer. C'est énorme. Sans compter l'école de formation du Dasco où des milliers d'étudiants viennent du monde entier pour se former. Le monde entier a comme les yeux sur toi. Tu ne peux pas te permettre qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux même pas me permettre de monter dans une voiture avec une femme seule. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'on est faible, l'homme est faible, la chair est faible, nous dit la parole. Et deuxièmement, parce que les gens peuvent interpréter cela comme étant quelque chose de mauvais pour ne pas être une occasion de chute. Tu vois ce que je veux? Parce qu'il y a des caméras qui sont braquées sur moi. Le moindre faux pas de ma part, c'est des vidéos qui sont faites sur Internet. C'est pas possible. Je suis traqué en même temps. Et c'est terrible. C'est pas évident. C'est pas une vie, justement. Je ne vis plus. Tu as des autorités qui sont touchées, dont je tairai des noms. Généraux, colonels, et qui, avant de venir, il y a un futur président d'un pays africain qui est venu demander conseil. Je lui dis, je ne fais pas la politique. Il sait, lui veut juste mettre son pays sur les rails pour sortir de là. Il est même pour demander conseil. Des cas comme ça. Donc on doit être exemplaire, on doit être un modèle, on doit être sérieux, un modèle de discipline, un modèle d'unité, de simplicité, d'amour. Et c'est pas facile parce que ce que Dieu te demande, c'est pas impossible parce qu'il donne les moyens de le faire. Mais c'est pas évident. Et d'autant plus que nous avons une pression de la part d'autres chrétiens qui sont blessés, comme la plupart d'entre vous ici, qui sont sortis des assemblées déçus. Et étant aussi français d'origine africaine, il y a beaucoup de pasteurs africains qui font comme d'autres, tu connais, qui ont fait n'importe quoi. Donc quand on arrive quelque part, tout de suite, africain, hop. Donc vous voyez, donc c'est qu'on doit être discipliné, être sérieux, et c'est pas évident. C'est pour ça que je peux poser des actes qui peuvent ne pas être compris par certains, mais avant de me critiquer, posez-moi d'abord des questions, et vous comprendrez ma charge. Et c'est terrible.
là on était en Guadeloupe, quand je vais à Martinique, parce que c'est ma maman Marthe, donc je peux aller chez elle, il n'y a pas de souci, je suis chez moi. Mais quand je suis ici et là, je préfère louer mon l'hôtel, parce que tu sais plus. Bien sûr. Et c'est pour ça que quand tu envoies les télés. Non. Rassure-toi, non, c'est pas ça. Non, rassure-toi, si je suis en voiture, je vois une sœur, si plus abondamment, je vois une sœur, et même pas forcément une sœur, un homme, une femme, qui est en souffrance, bien sûr, je veux la prendre, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais je veux dire, tu ne me verras pas prendre une femme seule la nuit et pour aller quelque part en voiture, parce que c'est. Tu sais, je prends la connaissance de cause. Voilà. Donc, je ne vais pas tout déballer ici. Et il y a des réalités qui sont, n'est-ce pas, relatives à la charge que nous avons. Comme il y a des réalités qui sont relatives à la fonction que tu exerces. Tu as beau parler, expliquer des choses aux gens, s'ils ne sont pas à ta place, ils ne comprendront jamais. Voilà. Vous voyez? Tout comme aujourd'hui, par exemple, je me promène avec mon micro. Ici, je peux prendre parce que je suis chez moi. Mais ici, ailleurs, je suis obligé de prendre mon micro. Parce que j'ai déjà été empoisonné à deux reprises. Quand on te met le micro sur du poison sur le micro. En Afrique, on te met le poison sur le mur, sur ta porte. Quand tu viens pour l'ouvrir, tu attends, tu ne te laves pas les mains. Que tu manges, tu meurs. Voilà comment beaucoup des prédicateurs sont morts. Donc, on est traqué. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont délivrés, ils crient victoire. Mais il y a un prix que nous payons, là, c'est énorme. D'accord ? Que Dieu soit béni. En tout cas, moi, j'aime bien ta franchise, parce que ça me permet d'approfondir encore les choses. Et je pense que tu vas nous manquer aussi. On va se revoir. Amen. Soyez fortifiés, bénis au nom de Yeshua, qui a été béni par tous ces programmes. Et une personne que Dieu guérit d'un ulcère, au nom de Yeshua, tu ne verras plus ce problème. Donc c'est quoi? Non, l'ulcère, là, quelqu'un qui souffre de cela, il y a vraiment une guérison que le Seigneur t'accorde, au nom de Yeshua. Quelqu'un qui souffre beaucoup de palpitations cardiaques également, tu as des vertiges de temps à autre également, que le Seigneur est en train de guérir, de restaurer au nom de Yeshua. Yahweh, Yahweh. Merci, Christ. Je crois que la terre, on peut monter un peu. Je peux? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ok. Yahweh, oh, Dieu. Guéris ton peuple.
enfants paient. Il y a des personnes qui veulent le baptême aujourd'hui. Ceux qui veulent le baptême. Gloire à Dieu. Viens un moment.
console ton peuple. Merci pour ta présence, papa. Seule, il y a une deuxième personne qui est concernée.
cet esprit vient beaucoup t'embêter la nuit. Et aujourd'hui, le Seigneur va vraiment te libérer totalement. Cet esprit de dormisse empêche des mariages dans ta famille. Bloque tout ce qui est mariage, tout ce qui est bonheur familial. Le Seigneur est en train de te remplir ce soir pour la péché. Oh Père, merci. Tu souffres la tête, tu as mal à la tête. Tu peux. Pourquoi tu pleures tes mains? Je ne sais pas. Voilà, c'est la présence de Dieu. Oh, Père, merci. Le belle présence du Seigneur, maman. La douceur du Seigneur. Oh, voilà. Thank you.
Nous avons su.
Depuis dimanche dernier. Oui, hein? Et pas de dessin, mais voilà. Qui a reçu une guérison dans son corps? Faites des guéris dans sa chambre là. Il y a une femme que le Seigneur a guéri ce matin aujourd'hui par rapport à la stérilité. Aller voir ton médecin dès demain, il va arrêter ton traitement, il sera choqué. Mais garde ta guérison dans la sanctification, en marchant dans la sanctification. Cette personne qui, ton diabète était vraiment sur le dernier niveau. Là. Les deux autres parrains, le Seigneur les a guéris. Il y avait une femme qui avait une grosseur au niveau de son sein gauche, que le Seigneur également a guéri. Tu peux même toucher cette grosseur-là. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de cancer de sein. Le Seigneur te rassure au nom de Yeshua, tu ne mourras pas de cancer. C'est réglé au nom de Yeshua. Soyez une personne qui a été guérie d'une hépatite. L'hépatite C, que le Seigneur t'a guéri. Donc il restaure ton foie, donc l'organe, complètement. Au nom de Yeshua, alléluia. Et une personne qui a une maladie au niveau de son sang. Ton sang est affecté. Le Seigneur t'a donné de nouveau un nouveau sang. Tout ça, on a dit Yeshua, t'a purifié. On va finir avec ceci. Qui sont ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus-Christ? Ceux qui ne l'ont jamais reçu et qui veulent le recevoir aujourd'hui. Levez-le-moi. Venez, venez à mes côtés. Et nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Merci Seigneur. Venez, venez, venez vous convertir. Venez. C'est un grand jour pour vous. Gloire à Dieu. C'est un grand jour pour vous. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle à ce service. C'est une grâce. Merveilleux Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour l'œuvre que tu as accomplie. Nous bénissons ton nom pour la Martinique, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ton nom pour
toutes ces belles choses que tu nous permets de vivre. Merci Seigneur pour l'accueil dont nous avons été reçus. Merci pour Seigneur nos frères et sœurs qui nous ont soutenus, qui ont prié pour nous Seigneur. Papa, ta parole nous dit que celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense des justes. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Seigneur, que ta grâce accompagne chacun. Jean-Michel est là. Ouais. Le Seigneur te dit, tu as été consacré. Tu es comme Samson. C'est ce qu'il nous montre. Et tu as été consacré depuis le ventre de ta mère. Et plusieurs fois l'ennemi a remarqué en ta vie dans le monde spirituel parce que tu déranges. Et tu ne sais pas encore bien comme il faut, mais tu déranges parce que le Seigneur a mis quelque chose de fort en toi. Et tu vas être comme un bulldozer là pour aller vraiment frayer le chemin pour beaucoup de personnes. Et le Seigneur te dit, je ne te laisserai jamais, n'est-ce pas, te garer. Je te donnerai des prêts, c'est ce que nous venons de dire, des prêts. Et cette boîte va s'agrandir, ce travail. Et des sociétés autres que celles où tu travailles vont te contacter pour pouvoir travailler. Et je vois même des véhicules que le Seigneur va donner, tout ça là pour travailler. Ça ne va pas être seulement ici, maintenant au niveau de la métropole, ça va même d'autres îles. Si le Seigneur te montre dans toute la Caraïbe, il va vraiment, ça pourra s'étendre comme ça. Et le Seigneur prépare également cette personne-là pour pouvoir être une femme qui va être la mère de tes enfants pour pouvoir te soutenir, t'aider. Le Seigneur voit tes pleurs, voit tes larmes. Il a sa main vraiment sur toi. Au travers de l'émission financière que le Seigneur va donner, tu vas aider beaucoup de gens. Tu vas faire beaucoup de bonheur en Haïti également, dans les pays pauvres, pour pouvoir nourrir les pauvres, de voir aller voir les orphelins avec des cartons, des poissons, avec du pain, tout ça, en train de leur donner. Et le Seigneur va vraiment, vraiment te surprendre. Donc rapidement, le Seigneur te dit, tu mettras un ordre, ce qui est à mettre en ordre. Et il y a un garçon qui va te donner, peut-être un homme, un enfant, un grand musicien, cet enfant-là, qui va être un grand chant de l'Éternel des armées. Donc le Seigneur est bon, je le vois bien, costume, c'est le grand jour, un grand mariage de la gloire de Yeshua. Et Dieu va te surprendre, frère. Le grand Yeshua, Dieu va te surprendre. Il va nous te parler de ce que c'est ensemble. Il va te parler plusieurs fois. Sa main est sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Toi-même, tu vas voir, ça va te surprendre. Au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Et tu vois un grand terrain que le Seigneur te prépare, tout ça là, à donner dans l'esprit déjà là, un grand terrain, tu vas construire quelque chose de terrible, grand. Et beaucoup de jeunes viennent te manger, je vois faire à manger sur un grand jardin, et les jeunes sont nourris, et je vois le temps de prière, au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur, sois fortifié au nom de Yeshua, et bien, bonne année. Je vous prie, béni, 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 au nom de. Que le Seigneur permette qu'on revienne au mois de septembre pour faire une semaine d'enseignement ici et une semaine à Guadeloupe. Alléluia. Donc, que Dieu soit béni. En tout cas, nous vous portons beaucoup de prière. Bien. Mylène, et une connexion avec cette sœur. Mylène est où? Voilà, et une connexion. Dieu veut vraiment se servir d'elle. Ce serait bien si tu veux le temps de t'encourager au nom de Yeshua. Dieu va, ta maman est où? Viens. Les gens viendront chez vous pour prier, pour partager la parole aussi. Et Dieu va toucher les voisins. Et demeure dans la vérité, demeure dans la prière, dans la sanctification, loin des hommes, et le Seigneur va vous surprendre. Papa est là? Ouais. Ok. Mettez tout ce qu'il y a à mettre en ordre. C'est ce que je veux dire de vous dire. Mettez de l'ordre dans la famille parce qu'il y a une bénédiction qui arrive. D'accord? Mettez vraiment de l'ordre pour pouvoir vous surprendre. Au nom de Yeshua. Le Seigneur vous donne la faculté d'apprendre rapidement les langues, même l'espagnol, parce que tu vas aussi beaucoup soutenir les gens et avec les exhortations. Le Seigneur a vu beaucoup de tes blessures, tu as été beaucoup blessé, tu as un homme qui a été beaucoup blessé. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit, je veux être ton père. 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 Et je te guéris.
Oh, je t'aime beaucoup, ce frère, le Seigneur le guide. Oh, alléluia. Il y a une option ici, la médaille. Il y a une option ici. C'est beau. Soyez fortifiés dans des choses. On n'a pas envie de vous lâcher. Mais on va se revoir. On va se revoir, n'est-ce pas? Amen.